là je suis parti pour l'espoir. Pour l'espoir, c'est l'avant, avant de faire une formation en fait. On a une formation pour faire une balance de formation, on va dire un lycée. Après ça, j'ai été à Montpellier pendant 3 ans, ensuite Limoges, et ensuite j'ai fini par Colombie avant d'arriver à ce que j'en suis. C'est quoi le coup qui a envoyé, je pense, le manager de ce national l'année dernière, au mois de mai, qui a envoyé demander mes contacts, vu que j'avais pas de club, hein, je venais de finir ma saison, j'avais pas de club, je savais pas si j'allais continuer en France ou j'allais jouer en Belgique. Même si l'idée de revenir jouer en Belgique travaillait un peu depuis un petit temps. Charleroi, le groupe en politique et le groupe basket, le plan de la région aussi était vraiment basket, donc j'avais déjà entendu beaucoup parler de Sturin Monceau, des résultats, je suivais un peu les résultats en France via basket féminin. Au début, tout le monde me disait que c'était un coach fou. Ça m'a pas fait spécialement peur que ça. Au contraire, j'avais besoin d'un coach comme lui. Maintenant, je suis avec un mois qui sont passés, je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'un coach comme ça, parce qu'il m'apprend beaucoup. Ce que moi je peux faire un coup maintenant au basket, ce que je peux apporter dans l'équipe, et il m'apprend aussi à certains collectifs chez les filles, on n'apprend pas beaucoup. Après, la partie dans sa personnalité, il est entier. Ce que je pense de Kofi, c'est que c'est une personne entière. Quand il a quelque chose à dire, il va se dire.